Pour ceux qui sont inscrits au pôle escrime du CREPS, qui auront la priorité, mais elle a aussi vocation à accueillir des stages, des équipes nationales, d'équipes caribéennes, parce que nous voulons résolument nous tourner vers la Caraïbe. Et donc, même les clubs pourront bénéficier, sous certaines conditions, de cette salle dans le cadre de stages. Donc, en fait, c'est toute l'escrime guadeloupéenne, toute l'escrime antillo-guyanaise qui pourra bénéficier de cette salle. Et en plus, comme on le dit, hein, le CREPS est centre de préparation pour les Jeux Paris 2024. Et on espère que nos athlètes, les Isaora Tibus, Yannick Borel, viendront avec les équipes de France chez eux, comme Willem Belossien a pu le faire sur la piste d'athlée.